Troisième heure de l'émission Par quatre chemins. Aujourd'hui, je vous dirai très honnêtement, mes amis, que j'ai l'impression que je vais vous faire un cadeau. C'est pas un ouvrage récent. C'est un ouvrage qui a paru la première fois, c'était en quoi, en 1946, vous voyez le genre. Vous allez tout de suite vous comprendre pourquoi dans quelques minutes, hein, que ça a paru à cette époque-là. J'ai eu l'occasion de parler de cet ouvrage et de son auteur à quelques reprises, même je dirais plusieurs reprises. Mais vous savez, ça fait 35 ans qu'on est ensemble. Si on est ensemble depuis 35 ans, moi, ça fait 35 ans que je suis avec ce micro-là devant moi, et puis des camarades de l'autre côté qui, bon, bref, et tout ça. Hein. Alors, il s'agit d'un bonhomme très important. Donc, un des pères, si je puis dire, de la psychologie moderne. Un des maîtres à penser, même, je dirais, du 20e siècle. Un témoin du siècle dans le registre des horreurs et qui a conçu une forme de thérapie qui s'appelle la logothérapie. Logo dans le sens de logos, dans le sens de raison. Une thérapie qui passe par le raisonnement. Et c'est très efficace, c'était très intéressant. Il s'appelle le docteur Viktor E. Frankl, F-R-A-N-K-L. Et l'ouvrage que j'ai sous les yeux s'intitule « Découvrir un sens à sa vie ». Alors là-dessus, il faudra quand même que je vous dise peut-être une petite chose qui pourrait vous amuser là-dessus. Le présent ouvrage a été réimprimé plus de 140 fois en langue anglaise. Il a été traduit en 22 langues et publié à 3,5 millions d'exemplaires. Ce livre est un grand best-seller année après année. Ce succès est une expression de la détresse de notre temps. Des millions de gens achètent ce livre qui porte sur le sens de la vie.
paru aux éditions de L'Homme. J'ai oublié de le préciser, c'est important. Pour que vous puissiez retrouver cet ouvrage-là, qui est extrêmement intéressant. D'abord, quand un livre est publié à plus de 3 millions d'exemplaires et que c'est un livre qui porte sur le sens de la vie, alors là, il faut vraiment que les propos soient soutenus et que l'individu qui les soutient est un être exceptionnel. Il l'est. Et lui, dans son avant-propos, le Dr. Frankl dit, dans son avant-propos, « Il est à la fois étrange et remarquable que de tous les livres que j'ai écrits, car il y en a écrit plusieurs autres, celui que je désirais publier de façon anonyme soit devenu un succès. » Voilà. Et c'est pourquoi je ne cesse de répéter à mes étudiants, tant en Europe qu'en Amérique, « Ne visez pas le succès, car on ne peut pas poursuivre le succès, pas plus qu'on ne peut poursuivre le bonheur. » Ils ne sont que des effets secondaires du dévouement que l'on manifeste pour une cause plus grande que soi-même ou qu'une autre personne. Et ça part comme ça. Avez-vous trouvé qu'il y avait quelque chose là-dedans? Hein? Bon, alors on lui posait partout, quand il en est revenu de son histoire, finalement. La question qu'on lui a posée à d'autres comme lui, c'est de quelle façon la vie quotidienne dans un camp de concentration pouvait bien affecter le moral des prisonniers ordinaires. Comme il était psychiatre et qu'il était médecin également, on souhaitait avoir, si vous voulez, une explication de ça. Alors, le livre dont il s'agit ici, je tiens à préciser aussi que c'est un petit livre au sens pour ce qui est des nombres de pages, il y a 130 pages. Ça se divise en trois. Je vais vous donner un aperçu des trois parties. La première, j'y suis maintenant dedans, c'est l'expérience vécue dans un camp de concentration, les étapes d'adaptation psychologique, etc. À travers ces informations-là, c'est là qu'il nous commence à nous parler de ce qu'est la logothérapie. Autrement dit, c'est un livre d'enseignement en même temps. Deuxième étape, la routine et la première étape, le choc psychologique. La deuxième étape, la routine et l'indifférence. La troisième étape, la survie psychologique. Ça, c'est pour la première partie. Alors, on va consacrer quelques interventions à cela. Ensuite, un petit logothérapie en bref, important, sur la recherche d'un sens à la vie. C'est très intéressant parce qu'on peut... Bon, on peut avoir besoin d'un thérapeute pour nous aider, mais on peut très bien aussi, dans certains cas, tous les cas, user de la logothérapie, avec un peu de raison, c'est tout. Bon. Et la troisième partie, c'est pour un optimisme tragique. Comment développer un optimisme tragique? Moi, je me meurs d'entreprendre de vous raconter ces choses-là. Parmi les choses qu'il parle et qu'il explique à propos du camp de concentration, il dit « Une des choses difficiles, c'est d'être un numéro. » Un numéro. T'es rien qu'un numéro. Chaque convoi comprenait un nombre précis de personnes, faire partie de l'un ou l'autre revenait au même. Chaque prisonnier n'était qu'un numéro. De l'admission au camp, c'était la méthode employée à Auschwitz. On confisquait tous les documents et tous les biens. Les prisonniers avaient généralement falsifié leur nom ou leur profession sur leur papier d'identité, mais les autorités ne s'y intéressaient pas. Seul comptait pour eux le numéro des détenus. Le numéro. Celui-ci était tatoué sur la peau. Je me souviens d'avoir interviewé une dame qui avait été prisonnière dans un camp de concentration à l'émission Carrefour, à la télévision, à l'époque animée aussi par René Lévesque, qui était notre patron, et cette dame, justement, avait montré, c'était la première fois qu'on voyait ça à la télévision, le tatouage de son numéro sur son bras. Tatoué sur la peau et obligatoirement attaché aussi sur les pantalons, vestons, manteaux, etc. C'est le numéro. Quand les gens voulaient savoir à qui on avait affaire, ils notaient le numéro, puis c'est tout. La lutte pour survivre aussi. Lorsqu'on annonça officiellement qu'un transport de prisonniers d'un camp à un autre allait avoir lieu, personne n'ignorait que la destination finale était la chambre à gaz. On envoyait en effet les prisonniers faibles ou malades devenus incapables de travailler dans les camps où se trouvaient les chambres à gaz et les fours crématoires. Le processus de sélection déclencha une mêlée générale opposant les prisonniers les uns aux autres et un groupe à un autre, etc. Une seule chose comptait, faire rayer son nom ou celui d'un ami sur la liste fatale, même si chacun savait que pour chaque condamné gracié, il fallait trouver une autre victime. J'aimerais mieux parler de ce convoi-là. Est-ce que tu prendrais ma place, genre, tu sais? Voilà. Alors, il parle de témoignages nombreux là-dessus. La psychologie du rescapé également. Il dit « Il est pour moi difficile de passer par-dessus les préjugés, d'autant plus que cela demande le courage de retracer mes expériences profondément intimes. » Ma première intention était de le publier en gardant l'anonymat, ce qu'il disait tout à l'heure, en utilisant comme mon numéro de prisonnier.
Intéressant, hein? Bon, ensuite, je vais un peu plus loin pour vous parler de l'espoir d'ensemble. Au-delà du choc psychologique, l'espoir d'un sursis. On appelle ce phénomène l'illusion du sursis. Le condamné, tout juste avant son exécution, caresse l'illusion qu'à la dernière minute, on lui accordera un sursis. Nous conservions, nous aussi, un espoir et nous nous accrochions à l'idée que notre situation n'était pas aussi mauvaise que nous le pensions. Hein? Nous ne nous doutions pas qu'ils appartenaient, tous ces gens qui prenaient soin de nous, à un corps d'élite spécialement chargé d'accueillir les trains qui, jour après jour, déversaient des flots de passagers. Ils se chargeaient des nouveaux venus et de leurs bagages, y compris des articles rares et des bijoux introduits en contrebande. Et, à Auschwitz, on aurait pu trouver d'incomparables trésors, tels que de l'or, de l'argent, du platine, des diamants, et cela non seulement dans les immenses entrepôts, mais également dans les mains des SS. Thank you.
semblait qu'il manquait de notes. C'est vrai, hein? La complémentaire. Bon, le soir de l'arrivée à Auschwitz, donc, on nous a expliqué les règles du jeu. Il s'agissait de la première séance de sélection, du premier verdict d'existence ou de non-existence. Pour la majorité des membres de notre convoi, à peu près 90% des prisonniers, cela voulait dire qu'une chose, la mort. Et toujours, alors, vous savez, le bâtiment portait une inscription, c'est écrit sur le bâtiment « douche ». Au-dessus des portes, en plusieurs langues européennes, en y entrant, chaque détenu recevait un morceau de savon. Et puis, point de suspension. Bon, il existe des récits là, de cette horreur, je ne vais pas même m'attarder là-dessus, mais il demande à un moment, Frankl, à l'un des anciens prisonniers, s'il avait vu son collègue et ami Pierre. Alors, il lui dit, on l'a envoyé en arrivant à gauche ou à droite? Il dit, on l'a envoyé à gauche? Oui, ben alors tu pourras le voir là-bas. Où ça? Et alors, il pointe le doigt vers une cheminée à quelques cent mètres de distance. Une colonne de feu s'élevait dans le ciel gris d'Auschwitz, qui se transforma bientôt en fumée. Il dit, tiens, voilà ton ami. Il monte au ciel. Voilà. Mais lui, Frankl, je ne sais pas, il était dans une situation... Il arrivait là, lui. Hein? Alors, il était encore de confus face à ça. Et puis, on lui a expliqué. Ils vont l'expliquer rapidement. Bien. Alors, la tentation du suicide, là-dedans, comment garder la forme, etc., etc. Puis, une deuxième étape, la routine et l'indifférence, voilà. Le prisonnier qui était passé à la deuxième étape de ses réactions psychologiques ne détournait plus les yeux, car c'est ce qu'on fait maintenant. On est en train de voir quelles sont les réactions psychologiques. Certaines d'entre elles, bien sûr, parce qu'on pourrait aller dans le détail davantage, mais enfin, il était devenu insensible aux émotions, indifférent à tout. Un autre exemple, un jour, un prisonnier s'est présenté à l'infirmerie, espérant qu'en raison de certaines blessures, ou peut-être d'édème ou de fièvre, on allait lui accorder 2 jours de travaux légers à l'intérieur du camp. Au moment où il se trouvait là, on avait amené un garçon de 12 ans qui avait été obligé de rester au garde-à-vous pendant plusieurs heures dans la neige et de travailler pieds nus parce qu'on n'avait pu lui trouver de chaussures. Ses orteils avaient gelé et le médecin s'était mis en devoir de lui arracher des morceaux de chair gangrenés avec des pinces. Loin d'être affecté par ce qu'il voyait, loin de ressentir du dégoût, de l'horreur ou de la pitié, le prisonnier avait regardé cette scène avec la plus complète indifférence. La souffrance et la mort étaient devenues des choses si courantes pour lui qu'elles ne le touchaient plus. Il parle plus loin de violence gratuite, de l'apathie, l'insensibilité aux émotions et le sentiment que plus rien ne le touchait constituaient les symptômes de la deuxième étape des réactions psychologiques du prisonnier. Tout ça est important pour comprendre ensuite la logothérapie, c'est ça. Pourquoi je vous entre dans les détails de ça, quoique ça laisse point différent, hein, je pense. Bon, troisième étape, la survie psychologique. Il y a aussi le mal nourri, tout, bon. L'indifférence, le principal symptôme de la deuxième étape, faisait partie du mécanisme d'autodéfense de chaque prisonnier. On devient indifférent. Voilà une forme d'autodéfense. C'est intéressant de voir aller ça, parce que dans la vie quotidienne de certains d'entre nous, on a pu adopter des attitudes de défense de ce genre-là, dans des situations difficiles. La réalité s'estompe alors, et on peut concentrer tous ses efforts sur une seule chose, sauver sa peau et aider ses compagnons à sauver la leur. Là, il y a l'obsession de la nourriture. Alors, il explique ça en médecin, à un moment, il dit, l'organisme digérait ses propres protéines et les muscles fondaient, évidemment, de plus en plus. Le corps perdait alors toutes ses capacités de résistance, les prisonniers mouraient les uns après les autres. Au bout de quelques temps, on pouvait prédire avec passablement de justesse qu'elle allait être la prochaine victime. Nous connaissions tous les symptômes permettant d'établir un diagnostic précis. Tiens, il n'en a plus pour longtemps, qu'on disait, ou alors c'est lui le prochain. Voilà. Ce genre de choses-là. Le vide intérieur, évidemment, qui accompagne tout ça, le manque d'appétit sexuel, bien sûr, des prisonniers, qui était probablement dû au fait que leurs préoccupations étaient essentiellement tournées vers la nourriture. Et là, les discussions étaient basées sur des rumeurs, lesquelles se répandaient très vite, etc. Il y avait aussi une dimension spirituelle chez certains d'entre eux. Malgré le caractère primitif incontournable de la vie en camp de concentration, le prisonnier pouvait y mener une vie spirituelle très riche, dit notre ami Frankl. Les êtres sensibles, dont la vie était auparavant entièrement consacrée à des activités intellectuelles, souffraient certes beaucoup, mais leur vie intérieure en sortait pratiquement indemne. Intéressant de noter ça. L'amour a joué un rôle important aussi.
Il dit, ça c'est quelqu'un qui dit ça, si nos femmes nous voyaient, espérons qu'elles sont mieux traitées que nous et ne savent pas ce qui nous arrive. Et quand Frankel en sera sorti, eh bien, il apprendra que ses enfants, sa femme, son père, sa mère, ils étaient tous morts dans un camp. Et peut-être aussi l'humour, il parle d'humour, le sens de l'humour, cette capacité de voir les choses avec une certaine distance, s'acquiert en maîtrisant l'art de vivre. Même si la souffrance est omniprésente, il est possible de pratiquer cet art de vivre dans un camp de concentration. Voilà, à suivre. Alors, l'ouvrage est de Viktor Frankl, le docteur Viktor Frankl,
père d'une école de thérapie, psychothérapie, qui s'appelle la logothérapie. C'est un des maîtres à penser du 20e siècle, je vous dirais. Ça a paru aux éditions de l'Homme. Une nouvelle édition, du reste, des éditions de l'Homme de cet ouvrage absolument remarquable qui s'intitule « Découvrir un sens à sa vie ». Moi, si je vous disais que parmi les 10 ouvrages les plus importants que j'ai découverts dans ma vie, il y aurait celui-ci. Je ne sais pas quelle place il occuperait, mais il occuperait une place aussi importante que ça. Parce que, voilà, ça part de la catastrophe, ça part de la douleur avec l'expérience des camps de concentration, et ça débouche vers une théorie, une pratique psychologique qui est à la portée de tout le monde d'ailleurs, et qui est extrêmement positive et naturellement tripative. Toujours est-il qu'il raconte à un moment aussi, je parle de Viktor Frankl, la vie d'un numéro dans les camps. Il est difficile pour qui ne l'a pas vécu d'imaginer le peu d'importance qu'on attachait au camp à la vie humaine. Les prisonniers étaient endurcis, mais peut-être devenaient-ils plus conscients de cette parfaite insensibilité à l'égard de la vie humaine lorsqu'on organisait un convoi de détenus malades. Ces détenus malades, complètement décharnés par la maladie et la faim, étaient jetés sur des charrettes que des prisonniers tiraient pendant des kilomètres et des kilomètres, et souvent à travers des tempêtes de neige jusqu'au camp voisin. Si l'un des malades mourait avant le départ de la charrette, on l'y jetait quand même, parce qu'il fallait que la liste soit exacte en arrivant là-bas. La seule chose qui comptait, c'était la liste. Un homme ne comptait que parce qu'il portait un numéro. On n'était plus rien d'autre qu'un numéro, mort ou vivant, cela n'avait aucune importance. La vie du numéro n'intéressait personne. Ce qu'il y avait derrière ce numéro et cette vie encore moins. Le destin, l'histoire, le nom de l'homme. Parmi les prisonniers malades que j'accompagnais en tant que médecin lors d'un transport à un autre camp, se trouvait un jeune homme dont le frère ne figurait pas parmi la liste et par conséquent ne pouvait faire partie du convoi. Le jeune homme a tellement insisté auprès du gardien du camp que ce dernier a accepté qu'on fasse un échange avec un homme qui, à ce moment-là, préférait rester au camp. Il fallait que la liste soit exacte. Rien de plus simple, le frère n'avait qu'à échanger son numéro contre celui de l'autre prisonnier. Ça fait qu'il s'en doutait pas, mais il est allé vers sa mort, tout simplement. Bien sûr, les gens destinés à ces convois étaient toujours examinés avec une curiosité ouverte. Les prisonniers regardaient leurs manteaux et leurs chaussures afin de voir s'ils n'étaient pas en meilleur état que les leurs. Il s'agissait d'essayer de récupérer les choses que ces gens qui allaient mourir pouvaient leur laisser ou qu'on pourrait retrouver après. Je ne sais pas si vous voyez le détail de ça. Leur sort, après tout, était décidé. Ceux qui demeuraient au camp, parce qu'ils étaient encore en mesure de travailler, devaient employer tous les moyens pour améliorer leurs chances de survie. Il n'y avait pas de place pour les sentiments. Ces prisonniers se considéraient comme des jouets du destin, étant entièrement dépendants de l'humeur des gardes, et ils commettaient alors des actes inhumains difficiles à justifier, malgré les circonstances. À travers ça, il y avait évidemment la hantise des chambres à gaz. Lorsqu'on a organisé le convoi de patients malades pour le camp de repos, ça, je vous dis curieusement, je pense que je vous l'ai déjà raconté, oui. Eh bien, voilà, là, il y a ça. Ensuite, c'est un petit livre, 130 pages, c'est pas tellement. Alors, il parle de liberté intérieure à un moment. J'ai pensé que vous pourriez tirer peut-être un intérêt de ça. Il dit, en ayant recours à la psychologie pour décrire les comportements et en tentant de donner une explication psychologique des traits distinctifs du prisonnier des camps de concentration, j'ai peut-être donné l'impression que l'être humain est entièrement inéluctablement influencé par son milieu, le milieu étant dans les camps de structures rigides, obligeant les prisonniers à se conformer à un mode de vie bien déterminé. Mais qu'en était-il de la liberté humaine? La liberté humaine dans un camp de concentration? C'est une bonne question. Les réactions, la façon d'agir d'une personne sont-elles nécessairement dépourvues de toute liberté d'esprit? Quel que soit le milieu dans lequel on vit, peut-on vraiment affirmer qu'une personne n'est rien de plus que le résultat de certains facteurs biologiques, psychologiques, sociologiques, etc.? Elle dit, ceux qui ont vécu dans les camps se souviennent de ces prisonniers qui allaient de baraque en baraque consoler leurs semblables, leur offrant les derniers morceaux de pain qui leur restaient. Même s'il s'agit de corps rares, ces gens nous apportent la preuve qu'on peut tout enlever à une personne excepté une chose, la dernière des libertés humaines, celle de décider de sa conduite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on se trouve. Thank you.
Bien sûr, cette expérience qu'il a vécue, je parle de Viktor Frankl, le psychiatre qui a passé 3 années dans un camp, il est certain qu'il a pratiqué une forme d'auto-analyse pendant son séjour. Et petit à petit, ça l'a amené, si vous voulez, à s'engager sur une voie qui allait devenir, à la suite, c'est-à-dire après sa sortie, qui allait devenir une pratique en psychologie qui s'appelle la logothérapie, la thérapie qui passe par la raison. Alors, un jour, il rencontre un médecin américain comme ça, qui lui dit « À quelle école appartenez-vous ? » Il dit « J'ai fondé ma propre approche, la logothérapie. Pouvez-vous me dire en une phrase ce que vous entendez par logothérapie ? » Il dit « Je vais vous le dire, mais en premier lieu, pouvez-vous me résumer en une phrase l'essence de la psychanalyse ?» Le médecin, l'autre, lui dit « Lors d'une psychanalyse, le patient s'étend sur un divan et révèle des choses qui lui sont parfois très pénibles. » Ce à quoi je lui ai répondu, « Eh bien, en logothérapie, le patient reste assis, mais il doit parfois écouter des choses très pénibles. » Parce que tout à coup, lui met le doigt sur le bobo, il dit « C'est ça le problème, peut-être? » Le patient fait « C'est... » Ça peut aller loin, puis ça peut aller vite, à part ça.
Certes, je plaisantais, n'entendais pas résumer ainsi la logothérapie. Il y avait cependant du vrai dans mes paroles. En effet, si on la compare à la psychanalyse, la logothérapie est moins rétrospective et moins introspective. Elle s'intéresse plutôt à quoi? Pas le passé, elle s'intéresse à l'avenir. C'est-à-dire à la signification que le client peut lui donner. Quelle est la signification que tu donnes à ton avenir? Quel est le sens que tu donnes à l'avenir dans ta vie? Hein? En fait, la logothérapie est une psychothérapie fondée sur le sens de la vie. Elle aide le patient à sortir des cercles vicieux et des mécanismes de défense qui jouent un si grand rôle dans le développement des névroses. En conséquence, loin d'être continuellement renforcé, l'égocentrisme qui caractérise le patient névrosé se trouve brisé. L'égocentrisme se trouve brisé. Il faut être assez fort pour être un thérapeute dans une école comme celle-là. Et je simplifie évidemment, néanmoins en logothérapie, le patient se trouve confronté au sens de la vie et en prenant conscience, il est souvent plus à même de surmonter sa névrose. Alors, il dit, la logothérapie, bon, il définit le terme logos en grec signifie raison. Vous voyez, j'avais bien raison de vous dire que ça signifiait raison, logos. La logothérapie, ou, comme certains auteurs l'ont appelé, la troisième école viennoise de psychothérapie. La première étant celle de Freud, la deuxième étant celle d'Adler, puis la troisième étant celle de Frank. Bon. Hey, je suis bon, hein? Voilà. Se penchant donc sur la raison de vivre de la personne que sur ses efforts pour en découvrir une, ses efforts, à mon avis, constituent une force motivante fondamentale chez l'être humain. L'effort de trouver un sens à la vie. C'est pourquoi je parle de recherche d'un sens à la vie plutôt que de recherche du plaisir, sur lequel est fondée la psychanalyse freudienne, ou que de la volonté de puissance, qui est au centre de la psychologie aldérienne. Voilà. Là, vous avez les trois noms ensemble, hein? La recherche d'un sens à la vie, ben voyez, les efforts pour trouver un sens à la vie constituent une motivation fondamentale de l'être humain. Sa raison de vivre est unique, car elle n'est révélée qu'à lui seul. C'est alors seulement qu'elle prend un sens pouvant satisfaire son besoin existentiel. Certains auteurs soutiennent que les raisons de vivre et les valeurs de l'homme ne sont rien d'autre que des mécanismes de défense, des formations réactionnelles, des sublimations. Il dit « Quant à moi, je ne pourrais pas vivre pour l'amour de mes mécanismes de défense. Pas plus que je ne suis prêt à mourir pour mes formations réactionnelles. » C'est peut-être l'école du bon sens, un peu. Hein? Mais il faut être outillé pour travailler là-dessus. Hein? C'est plus rassurant de pouvoir dire des choses comme la formation réactionnelle, comme ça personne ne te comprend, puis tu passes pour ça avant. Il dit, mais l'humain peut néanmoins vivre pour préserver ses idéaux et ses valeurs. Il peut même mourir pour eux. De nombreux sondages confirment que tous et chacun ont besoin de vivre pour quelque chose ou quelqu'un pour lesquels ils sont prêts à mourir. Alors que 16% considèrent comme très important de gagner de l'argent, 78% choisissent de trouver un sens à la vie, à sa propre vie, évidemment, bien sûr. Voilà. Alors, il parle aussi à un moment de la personne qui ne réussit pas toujours à trouver une raison de vivre. On parle alors de quoi? De vide existentiel. Hein, la formule de temps. Il n'y a pas de raison de vivre, le vide existentiel. Il y a un trou là. Le vide existentiel peut provoquer les névroses noogènes, par opposition aux névroses traditionnelles ou psychogènes. Noos, ça veut dire l'esprit, qui naissent de l'esprit, de la pensée, si on peut dire. Les névroses noogènes prennent naissance non dans la dimension psychologique de l'existence humaine, mais plutôt dans sa dimension noogénique. En grec, nos signifie esprit, dans la tête, ça se passe dans la tête. Il s'agit ici d'un autre terme propre à la logothérapie qui caractérise tout ce qui appartient à la dimension proprement humaine.
pourrais avoir peut-être une meilleure idée de ce qu'est la logothérapie, je pourrais peut-être vous communiquer le paragraphe suivant qui me paraît donner une idée un peu générale, mais qui vont certainement vous intéresser. Le logothérapeute a pour but d'aider son client à trouver un sens à sa vie. Ça commence comme ça. Grâce à la logothérapie, le client prend conscience de ses raisons de vivre cachées. Toutefois, en essayant de ramener certaines choses à la conscience de son client, le logothérapeute tient compte de ses réalités existentielles, telles son but dans la vie, son désir de la découvrir, etc. etc. Toute analyse, même quand elle n'inclut pas la dimension neurologique de l'esprit, si vous voulez, dans son processus thérapeutique, vise à rendre le client conscient de ce qu'il désire vraiment dans la profondeur de son être. Puis très souvent, il va s'adresser au logothérapeute et va dire « C'est ça, telle chose que je veux dans la vie, c'est ça. » Puis après une demi-heure de travail, il va dire « Au fond, je pense à ça, c'était pas ça ce que je vous ai dit, c'est autre chose. » Bon, la logothérapie s'éloigne de la psychanalyse dans la mesure où elle considère que l'être humain cherche avant tout à donner un sens à sa vie plutôt qu'à satisfaire uniquement ses besoins, ses instincts ou à s'adapter à la société et à son environnement. Et Frankl parle un peu plus loin de la recherche dynamique de sens. La recherche d'un sens à sa vie peut créer chez la personne une tension plutôt qu'un équilibre interne. Cette tension est toutefois indispensable à sa santé mentale. Il faut avoir cette tension-là d'un objectif vers lequel on tend, un peu comme le sportif qui va sauter devant l'épreuve, tout ça. Rien au monde ne peut aider une personne à survivre aux pires conditions mieux que ne peut le faire sa raison de vivre. Trouver la raison de vivre. Nietzsche a raison quand il dit que celui qui a une raison de vivre peut endurer n'importe quelle épreuve. Il ajoute ou presque. Dans les camps de concentration nazis, les plus aptes à survivre étaient les prisonniers qui avaient un projet à réaliser après leur libération. Moi, ça m'est égal de rester encore ici un mois ou deux. Hein? Je ne peux pas dire que ça m'est égal, je trouve ça terriblement difficile à vivre, mais dès que je vais sortir, je vais entreprendre telle chose. Élever des poules, ou je sais pas quoi. Tu sais? Non, tout est bon. Hein? Un projet à réaliser après leur libération. D'autres écrivains ont tiré la même conclusion dans leurs ouvrages sur les camps de concentration et les enquêtes menées dans les camps de prisonniers de guerre au Japon, en Corée du Nord, au Vietnam, confirment cette théorie. Quand j'ai été interné à Auschwitz, on m'a confisqué un manuscrit prêt à être publié. Il est sûr que mon désir profond de le réécrire m'a aidé à survivre aux rigueurs des camps. J'ai été interné. C'est ainsi qu'atteint de fièvre typhoïde dans un camp en Bavière, j'ai entrepris de griffonner sur des bouts de papier des notes qui me permettraient de réécrire mon livre si je survivais. Je suis sûr que les efforts que j'ai déployés dans les sombres baraquements d'un camp de concentration bavarois m'ont aidé à surmonter les dangers d'une attaque cardiovasculaire. Cela prouve que la santé mentale est fondée sur un certain degré de tension entre ce que nous avons déjà réalisé et ce qui nous reste à réaliser, ou sur la différence entre ce qu'on est et ce qu'on devrait être. Cette tension étant inhérente à l'être humain et donc indispensable à sa santé mentale, on ne devrait pas hésiter à le confronter avec le sens de sa vie. C'est clair, ça? Il fallait aboutir à ça. Bon. Ainsi, ce sens passera chez lui d'un état subconscient à un état conscient. Voilà le travail à faire. Qu'est-ce qu'il y a derrière la tête? Hein? À mon avis, il est risqué de croire que la santé mentale dépend avant tout d'un équilibre intérieur dénué de toute tension. Ce dont l'humain a besoin, ce n'est pas de vivre sans tension, mais bien de tendre vers un but valable, de réaliser une mission librement choisie. Puis là, le ton s'élève. Vous comprenez jusqu'à quel point j'adhère. Hein, ça. J'adhère tellement que je suis en train de le prendre comme mon propre propos, si je puis dire. Voilà. Il a besoin non de se libérer de sa tension, mais plutôt de se sentir appelé à accomplir quelque chose. Dans une saine dynamique existentielle, chacun éprouve une tension entre son but à atteindre et sa situation actuelle. Ce principe est valable non seulement pour les personnes normales, mais aussi pour les personnes souffrant de névrose. L'architecte qui veut renforcer une voûte menaçant de s'effondrer augmente le poids qu'elle soutient de façon à ce que ses différentes parties s'épousent plus étroitement, etc., etc. Ayant montré les avantages d'une réorientation en ce sens, je désire me pencher sur un sentiment qui affecte un grand nombre de personnes aujourd'hui, le sentiment que la vie n'a aucun sens. Elles n'ont pas de raison de vivre consciente.
elles sont hantées par un sentiment de vide intérieur, le vide existentiel. À notre époque très répandue, et qu'on peut attribuer à la double perte qu'a subie l'homme en devenant un véritable être humain. Il dira, au cours de son évolution, il a souffert d'une autre perte plus récente, les traditions qui soutenaient son comportement ont rapidement disparu. Désormais, ni son instinct, ni la tradition ne lui dictent sa conduite. Il lui arrive même de ne pas savoir ce qu'il veut. Ou il cherche à imiter les autres, conformisme, ou il se plie à leurs désirs, totalitarisme. Le vide existentiel se manifeste surtout par un état d'ennui. Et bon, on se retrouve dans quelques minutes après le temps consacré à notre réflexion sur la logothérapie, de même qu'à nos informations pour une quatrième heure de l'émission Par quatre chemins. J'aurai l'occasion sans doute de revenir un peu sur Frankl, parce que c'est un gars tellement important. Viktor Frankl, découvrir un sens à sa vie aux éditions de l'Homme. 130 pages qui méritent d'être lues.